Salut à toutes et à tous, c'est Gadius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 9e épisode de Zelda A Link Between Worlds. Et donc nous sommes dans un, je sais pas, peut-être un monde parallèle ou quelque chose comme ça. Ça me paraît très étrange, mais bon, je crois qu'on n'a pas le choix, il va falloir sortir. Honnêtement, ça fait peur. Ça fait très peur. Voilà, on va rentrer. Oh. Tu as beaucoup de chance, tu sais. Contemple ces merveilles, une collection remarquable, n'est-ce pas? À présent, tu vas assister à un spectacle exceptionnel. Oh, la princesse. Ouvre grand tes yeux et admire ma sublime illusion. La renaissance de Ganon. Voici donc la triforce de la force, comme elle est belle. Viens, toi et moi ne ferons plus qu'un et ensemble nous poursuivrons ma quête de la beauté absolue. Bon, je crois que j'ai pas fini, il va y avoir encore un combat, je sens. Oh mon Dieu, lève-toi! Oh! Qui es-tu? Hey! Gaius, héros du royaume d'Hyrule, je suis Hilda. Grâce au pouvoir des sept sages, Yuga s'est approprié la puissance de Ganon, l'antique seigneur du mal. Il utilisera certainement ses pouvoirs pour conquérir ce monde. Et il s'en prendra ensuite à Hyrule. J'ai encore bien des choses à te dire, mais pour le moment, il me faut tenter de contenir son pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a fait de moi? Fin du jeu. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce jeu. Hey Gallius, j'ai peine à contenir le pouvoir de Yuga, je ne tiendrai plus très longtemps. Afin de vaincre Yuga, il te faut éveiller le héros véritable qui sommeille en toi. Porte-toi au secours des sept sages prisonniers et réunis leur pouvoir. Va, Gallius, tu deviendras un héros véritable, c'est ton destin. Ok, réunir les 7 sages. Putain, ça ressemble vraiment au Pokémon, il y avait aussi 7 sages dans les versions noires et blanches. Il va dormir comme ça encore longtemps, quel casse-pied! Ah quand même, c'est pas trop tôt. T'étais vautré en plein milieu du chemin, tu me gênais alors j'étais obligé de t'aider. Tu voulais pas te réveiller et ça commençait à me courir sur le système. Maintenant que t'es réveillé, dégage d'ici plus vite que ça. Tu vas voir moi. Tu vas voir à qui tu parles.
T'es encore là, toi? Voilà que je m'abaisse à aider les gens, maintenant ça apporte jamais rien de bon. Mon mari et toi, vous êtes comme tous les hommes de ce monde, des bons à rien. Quoi? Gulli? C'est qui ça, mioche? Connais pas, y a pas d'enfant ici. Quoi? Ah, c'est toi le mioche que la patronne a ramassé? Traîne pas dans mes pattes, je dois travailler. Mais vu l'état dans lequel est le patron, j'ai pas tant de boulot que ça finalement. Oh mais regardez, la Triforce, elle est à l'envers. Oh là là. Héros Gallius, m'entends-tu? Je suis la princesse Hilda. Tu te trouves en ce moment dans mon royaume, Lorule. Ah d'accord, ok. Ce pays ressemble beaucoup au tien, n'est-ce pas? Doit être un monde à l'envers, un truc comme ça. Ils ont beau être similaires, ils sont en réalité complètement différents. Des mondes voisins, mais si éloignés. Ils étaient censés rester isolés, mais à cause de Yuga, nos deux mondes sont maintenant reliés. Les sept sages que tu cherches sont emprisonnés dans les palais des différentes régions de Lorule. Mais cette terre est ravagée. Il est impossible d'accéder à toutes ces régions depuis l'endroit où tu te trouves. Pour cela, il te faudra d'abord chercher un moyen de retourner dans ton propre monde. Tu pourras ainsi venir au secours des sept sages qui se trouvent dans les régions de Lorule. Je crois en toi. N'oublie pas, je suis Hilda de Lorule. Waouh, mais quelle aventure! Une nouvelle girouette vient d'être ajoutée sur la carte. Voulez-vous sauvegarder votre progression? Oui. Waouh! Mais honnêtement, waouh! Ouais, non, mais j'ai pas envie là. Oh, c'est énorme ce jeu, j'ai l'impression d'être dans un. Vous savez, genre une. Dans l'univers en fait. C'est fou, hein. Qu'est-ce que tu fais avec une épée, toi? Pff, laisse tomber. Ça me déprime. Pourquoi mettre mon savoir-faire à la fabrication d'armes et d'armures? Ce monde n'est peuplé que de gens qui l'utiliseraient pour faire le mal. Ouais, d'accord. En fait, c'est un genre de. C'est un genre de monde. Allez. En fait, c'est genre Hyrule, mais en mal, quoi. Enfin. D'après ce que j'ai compris. Oh, la musique est trop bien. Ah, ouais, d'accord, les bombes, elles éclatent. Ah, j'ai cru qu'il était invincible. Ah! Bon, alors, on va un petit peu mater la carte, si on peut être bien. Voilà. Alors, regardez en bas à droite. Hein. Moi, je regarde sur mon écran parce que c'est un peu plus grand. Donc, en fait, il y a des croix rouges. Donc, c'est à mon avis où il va falloir aller. Donc, on va se rendre à la première croix rouge que vous voyez sur l'écran du bas. Allez, c'est parti. Mais c'est pas le village Cocorico, ça? Waouh, putain, il est dévasté dans ce monde. C'est franchement, je trouve ce jeu mais magnifique. Entrée du repère des bandits, si vous voulez nous voir frapper. Hein? Il y a quelqu'un à la porte? Qui es-tu? Parle. Si tu veux rentrer, complète les paroles de la chanson que je vais chanter. Tu vois de quoi je veux parler, non? Bien, alors en avant. Putain, j'en sais rien. Battant la campagne, petit galopin, tu as trébuché au bord du ravin. Attends, il faut que ce soit il faut que ce soit logique. Battant la campagne, petit galopin, tu as trébuché au bord du chemin, non? À toujours vouloir tout savoir, tu iras croupir dans le noir. On n'y peut rien, c'est dans notre sang. Le vol revient comme. Le chien dent, c'est quoi ça? Le beau temps. Hey, mais tu sais que t'as une jolie voix? Allez, entre. J'ai tout mis au pif. Alors, je sais pas si on pouvait se tromper. Bon, voilà, c'était. Putain, c'est bien qu'il y ait des petites croix, des petits objectifs. Au moins, on n'est pas perdu, quoi. Repère des bandits. Tiens, t'as une tête que je connais pas, toi. T'es nouveau, mais c'est ton papier que ça. Tu vas me remplacer pour mon tour de garde, d'accord? Parfait, je te laisse la place. Ne me déçois pas, surtout, je vais aller me relaxer un peu dehors.
La 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 la, il a l'air. Je peux pas bouger. Ah. J'espère que vous appréciez vraiment ce jeu. J'y apporte en tout cas la qualité maximale pour que vous puissiez la voir. Au niveau des graphismes, je me donne à fond, on va dire. Parce que je pense que on apprécie regarder quelque chose qui est beau plutôt que quelque chose qui est filmé moins bien, on va dire. Bon, j'ai le matériel pour, hein. Par contre, là, je ne pige pas très bien ce qu'il faut faire. Ah, ok, c'est. J'espère qu'il faut pas l'arc. Hein. Bon, ça, je comprends pas, en fait. Oula. Ce qui est bien, c'est que je peux rester sur le mur. Non, j'ai pas compris, là. Attendez, hop là. J'espère vraiment qu'il faut pas se. Qu'il faut pas d'objets. Hein. Ah, attendez. Je pense que ça, il faut pas les casser en fait. Je pense qu'il faut les poser sur ça. Sais pas comment on fait pour le poser. Attendez, j'essaie un truc. B, X, Y, A. Mais non, mais te casse pas! Je peux que le lancer? Ah, attendez. Non. Je pensais pouvoir passer par là. Ah ok, attendez. Ah, j'ai compris, c'est bon. C'est pas facile. Il fallait. Déjà, le truc de la tête de mort à jeter sur ça, j'y ai pensé au dernier moment. En plus, c'était ma dernière tête de mort. Bon, j'aurais pu revenir en arrière. Et on va poser ça. Alors, allez, on va jouer intelligemment. On va le tirer. Mince! Je pensais pas qu'il allait faire ça. Voilà, c'est bon. Allez, go. En fait, c'est ça que je voulais faire dès le début, mais je me suis trompé. Voilà. Hop, excusez-moi, j'ai compris. Quoi, je peux pas aller sur le mur? Ah, ok, je comprenais pas. Ah, ça me gratte. Ok, et celle-là? On va la prendre. Oh, la musique est énorme! Énorme, énorme! C'est fou, hein! J'aurais pu jouer le jeu dans mon coin, comme ça, pas faire de vidéo. Je me suis dit, j'ai quand même le capture board qui me permet d'enregistrer, ce serait bête de pas vous faire cette aventure pour que ceux qui n'aient pas le jeu, bah, ils puissent quand même en profiter. Oui, c'est bien beau, mais. Ah, attendez, mais je suis bête. Et voilà, c'est ça qu'il fallait faire en fait. Je suis bête, mais c'est pas possible. C'était pas avec les têtes de mort. C'est avec ça qu'il fallait passer. Je m'en sers pas assez. Je me suis rendu compte que lors du boss, pour le truc du boss, il fallait que je m'en serve de ce mur. C'était ça la clé du jeu, c'est de se mettre sur le mur et puis d'attaquer par derrière, quoi. Mais pour n'importe quel boss. C'est fou, hein. J'ai pas encore pigé. Voilà, c'est bon.
Ouais, c'est bon. Je casse tout ça, hop. Je crois que j'ai tout vu, hein. Oula. Putain, ça me gratte. Je crois que... Mais... Viens là, toi. Il va bien finir par mourir, voilà. Vous avez obtenu une corne de monstre. Attention au doigt, elle est couverte d'épines. Ouais, te fais pas mal, s'il te plaît. Et ça, c'est quoi? Ah oui, ok. Ah, peut-être qu'il aurait fallu qu'il vienne dessus et que moi aussi. De toute façon, ça va être simple. S'il revient, c'est que c'est ça. Non, c'est pas ça, j'en sais rien. Si je vois comme ça. Non, ça marche pas. Bon, je sais pas. Peut-être que je me suis loupé. Je sais pas, des fois ça envoie en fait, des fois non. Je sais pas. Là, je saute ou pas? Ah non. Ah, j'ai activé un truc là, ok. Et? Non! Je suis désolé, je me suis trompé. Enfin, je sais pas si je me suis trompé au final, ça m'a quand même aidé. J'ai pu avoir ça, ce trésor. Bon, bah, quand on est tombé, on remonte là. Hein. Mais peut-être qu'à un moment, il fallait y aller pour activer le truc rose là. L'interrupteur. Ouais. Et sinon, mon petit, on... Attendez. Si je tombe là. Ah, c'est où j'étais. Ouf. Je crois que j'ai évité la mort de peu. Vous avez obtenu une queue de monstre, elle ne sent pas très bon. Bon, après tout, ça doit être des objets. C'est quoi ça? Ah non. Aucun tu veux, petit air. Ah, c'est des bombes. Ça doit servir à quelque chose, ça, c'est obligé. Ça va tellement vite que j'arrive pas à savoir où le tapis dans quel sens il va. Ah, peut-être qu'il faut que je lâche une bombe dans ça. Vite! Non, c'est pas ça. Attendez, là, je pige pas. Non, là je peux rien faire. Allez, reviens vite, s'il te plaît. Attendez, je réfléchis un petit peu. Des fois, c'est peut-être pas si bête que ça. Non, là, il n'y a rien. Non, là, on peut pas y aller. Parce que... Non, je ne comprends pas, mon petit. À moins que je puisse aller là-haut. C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué, ça. Ça sert à quoi?
J'aurais pas dû tomber, je me suis fait avoir. Ah, mais là, je suis sûr, faut utiliser le mur. Ah, mais voilà, c'est bon, j'étais là au début. Doucement, s'il te plaît. Donc là, est-ce que ça sert à quelque chose d'activer ces trucs-là? On va le faire parce que je me dis que c'est pas mis là au hasard. Peut-être que c'est des raccourcis pour revenir plus vite. Je comprends pas. Non, ça je sais pas, il faut on doit être deux dessus, je suis sûr. Si je pouvais juste le poser, c'est vraiment cool. Là, je reviens où je suis normalement. C'est marrant parce qu'on est dans la peinture et la musique est différente. Ah, mais là, j'ai tout fait normalement, donc y a plus rien à faire. Les statues sont revenues au même endroit. T'en as regardé peut-être au début, peut-être qu'il y avait moyen que je. Que j'aille, je sais pas, quelque part. Entre les barreaux. Ça, c'est quoi? Attendez, laissez-moi réfléchir. Ah, attendez, je crois que j'ai trouvé pour avoir le trésor. On fait ça. Ah non, je suis bloqué. Comment je fais pour avoir ce trésor? Tum-tum. Ouais, excusez-moi, c'est là l'entrée. Là, il y a un trésor aussi. C'est assez corsé. Si je. Ah non, je peux même pas tomber là. C'est. Ouais, honnêtement, c'est un jeu dur. C'est un jeu très dur. Moi, j'étais persuadé que c'était. J'aurais dû faire venir le bousigouloum là-dessus. Je me suis fait carotte. Ça, je sais pas si c'est une bonne idée de l'activer, hein. Aha! Non, bah non, je viens de là. Non, je viens de là. Je suis sûr, c'est là, c'est obligé. Pas 36 manières. Là, il faut que je fasse quelque chose avec les murs, je pense. Je peux passer. Bon, ça, je pouvais passer déjà à la base. Ça change rien. Là aussi, normalement. Mais est-ce que là-bas, je pouvais. Je crois que j'ai déjà fait tout à l'heure. Ouais, ça me fait passer tout. Là où il n'y a rien, c'est sûr. Ce truc rose, je vois pas. Hein. Ah, attendez! Oh punaise, ça a changé de sens. Je pense. Voilà, si je tombe, c'est mort. Enfin, je pense, attendez, je suis au moins 2. Moins 1, c'est donc au-dessus. Mais je suis sûr, il y a un truc avec cette bombe là, j'arrive pas à déterminer quoi. Et là, il y a un chemin. Attendez, laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Allez! Ça fait quoi là? Bah, alors maintenant, on va rester là, non? M'embête.
Ah, je... Dégage, toi. Je crois que j'ai compris, mais ça... Non, non, j'ai pas compris. Sur cette bombe, elle a à voir quelque chose. En plus, faut... Ah, je sais! Allez, cours sur le tapis, là. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Bah, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Non, c'est pas ça. J'étais persuadé que ça allait être ça. Sinon, si j'arrive en haut. Je pensais qu'elle allait bouger. À moins que le tapis ne soit pas dans le bon sens. Je vous dirais bien de réfléchir avec moi, mais. Simplement que je sais pas. On va essayer dans l'autre sens. Oui! Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait parce que j'ai fait plein de fois tout à l'heure. Bien joué Nintendo, bien joué! Bravo! Ça sert à quoi ce truc? Non mais honnêtement, le gros piège quoi. Ouais, c'est pas grave, de toute façon j'ai. Oula, j'ai peur là. J'ai cru que ça allait se refermer sur moi. Bon, j'ai deux chemins. On va à la droite. De toute façon, je regarde un peu la carte. Je remarque que. Que ben, à droite, on peut y aller en fait. Vous avez obtenu un foie de monstre, c'est certainement très nutritif. Certainement, mais je ne goûterai pas. Bon, on va aller là. Oh, ça va être une grande salle. Ah, bah voilà, on se rapproche petit à petit là. Alors, bon, là. Maintenant, on sait qu'on peut y aller. Peut-être 50 rubis. Oh, une boussole. Ah, mince, j'ai pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait un méchant. Pourquoi il envoie pas de. Bon, écoute. Il y en a qui savent, qui peuvent m'expliquer pourquoi ma puissance en fait, enfin le, vous savez quand je donne un coup d'épée normalement, il envoie quelque chose. Mais c'est un gentil ça non? Ah non c'est une voleuse. Eh mais t'es qui toi? Et comment t'es entré d'abord? Quoi un tableau? Ah ouais ce truc là. Je sais pas trop ce que c'est moi. Ce que je sais c'est que le chef avait pas l'air de vouloir qu'on le trouve. Je suis tombé dessus comme qui dirait par hasard tu vois. Résultat, je me retrouve enfermé ici. Eh, hey, mais dis donc, tu pourrais pas me faire sortir puisque tu es là? Si tu y arrives, je te dirai où il est planqué, le truc que tu cherches. Alors vas-y, pas de temps à perdre. Ah d'accord, donc là je serai. En fait, je suis en train de chercher le premier sage. Oh, il est trop bien ce jeu. Fais comme moi, regarde. Ah, il est énorme ce jeu. Faut juste que je trouve la clé. Oula, alors toi par contre je vais peut-être pas te toucher. Quoique, bah si tu ferais tout exploser au moins. Est-ce que tu vas réapparaître? Ouais. Ça veut dire qu'on a besoin de toi. Ah ouais, il y a une fissure en effet. Donc hop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis où là? Ah d'accord, ok. Énorme. Oui, mais encore. Ah oui, comme ça. Ouh, alors là, par contre, il va falloir pas tomber. Ça serait bien. Tendu le gouloum là. Bon, ça doit être la suite par ici, j'imagine. Punaise, j'aime pas ça.
Oh, j'aime pas ça! Cassez-vous! Venez, je vais perdre la vie là! Attends, je vais rester comme ça parce que là, ça a l'air un peu trop compliqué, hein. Oh oui, ma lampe! Attendez, inventaire. Non! J'ai lancé ma lampe! Non, là, franchement, c'est abusé. Ah non, c'est trop abusé! J'allais mettre ma lampe. Bon, bah, donjon, écoutez. Bon, allez, on va se retrouver. On se retrouve de suite. Bon allez, c'est bon, on y est. Bon, c'est ça, je vais... Déjà... Ah ok, la lampe. Ouais, c'est bon, j'ai la torche. Au moins, je vois quelque chose. Je vais rester comme ça parce que sinon, je... Attendez, je vais faire ça, juste. J'étais presque tout à l'heure, hein. Je pensais qu'il fallait allumer pour là. Alors ça c'est pour retourner au début. Enfin au début. Ouf! Bon c'est bon. C'est pour retourner ben ouais au début. Allez c'est parti, on y retourne. Hop. Hop là. Par là. J'imagine que c'est pour lui ouvrir. Ça, par contre, je pige pas, attendez. Ok. Allez, j'espère que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Dis donc, mon gars, t'es comme qui dirait pas tout à fait normal, toi. Tu rentres dans les murs, tout ça. C'est pas clair, cette histoire. Et ça me file les jetons, si tu veux savoir. Au fait, ton tableau, là, il est planqué en ville, dans un coin isolé. Je te dirai où plus tard. Mais avant, sors-moi de là, d'accord? Allez, en piste. Ça y est, j'étais sorti de là, là. Qu'est-ce que tu... Ah. Et attends, tu dois me faire sortir, je te rappelle. Ah ok. Hé hey, ça veut dire hé, hey, suis-moi. Super, on est coincé. Bon, bah va falloir utiliser la porte au nord si on veut filer. Oh non. Cours, Forest. Ah, attendez, si je vais deux fois plus vite là. Ou alors qu'il suis fou là. T'es perdu! Ah d'accord, en fait je la perds quand je fais ça. Et ouais, c'est vrai en fait, je m'en souviens que je... Hé, mets-toi sur ce truc! Ah oui, d'accord, ok, je vais la placer. Enfin là, je sais pas si c'est une fille, hein, j'imagine que oui, mais... Voilà, c'est bon, tu bouges pas. Ça y est, j'ai compris à quoi ça servait ça. Hé, suis-moi! Suis-moi! Oh, ça perd l'hippopète. Non! Je savais pas! Je savais pas que... Qu'il fallait pas qu'elle se prenne... Ah, je sais ce qu'on va faire. Je vais la laisser dedans, ici. Là, c'est ouvert, là, non? Ouais. Écoute, tu restes là. Honnêtement, t'es mieux ici. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Attends, je vais la poser là. Non, qu'est-ce que tu me fais? Non, justement, attends. Ah non, on peut pas. Sinon, ça lance pas le... C'est un peu... Bien, suis-moi là. Non, non, allez, touchez, la touchez pas, c'est ma copine, ok? La touchez pas, j'ai dit! Virez de là! Enlevez vos sales pattes de elle! Non, non! Non! Ah, punaise! Ils nous laisseront pas tranquilles, je sais pas si t'es au courant, il va falloir que tu continues à me couvrir. Comment ça? Que je me débrouille, ça risque pas, vu que je n'ai pas l'intention de me battre. 1. On m'a pas pris mes armes. On m'a pris mes armes et mon armure. 2. Je meurs de faim. Oh là, quelle embêtante celle-là.
Je vous jure, ça, je suis stressé là. Allez, suis-moi. Attendez, je me gratte parce qu'après, ça va pas pouvoir le faire. Bon, cet épisode sera un peu plus long, j'espère que vous l'apprécierez. Je vais pas couper en plein milieu, ce serait bête. Tu tombes pas, hein. Ouais, là, c'est... Tu bouges pas, ok. Non, tu... Voilà. Je pense pas que tu puisses... pouvoir... Allez, viens, petite. Nous. Bon, écoute, tu restes là. Parce que t'as pas trop le choix. Oh, punaise. Ah, mais c'est d'or. Ouh. Oh, je les ai virés. Mince, j'avais pas vu. Oh, comme je les ai destroy. Plonger. Ah, je peux plonger? Non, je peux pas, normalement. Est-ce que je peux aller sur les murs alors que je suis dans l'eau? Non. Non, je pense que je peux pas plonger pour l'instant. Je dois pas avoir le pouvoir. Par contre, là, ce serait cool si tu pouvais. Ah, attendez, je crois que j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Il faut faire ça. Ah non, bah non. Bon bah écoutez, non, en fait, on va s'arrêter là. Parce que l'épisode est quand même assez long. Est-ce que Gadius va s'en sortir? Telle est la question. En tout cas, on se retrouve très vite pour le... 10e? 8e? 9e? Pour le 10e épisode de Zelda. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. À la prochaine! Ciao!